عسيبا نسكول عسيبا مرحبا بكم في في نواد ديبيتس لا ترويزيام سيسيون. Bienvenue à Nawed Debate numéro 3. On est ravis de vous accueillir à Nawed pour une nouvelle session. 57 000, c'est le nombre de migrants subsahariens en Tunisie selon les Nations Unies. Ils sont ivoiriens, camerounais, guinéens, béninois et de plusieurs autres pays. Ils font partie de nos vies, mais pourtant leur condition est tellement invisibilisée. Pourtant, on partage le même espace ensemble. On en parle souvent en chiffres et en bref, mais chacun a une histoire, un récit unique qui pourrait mériter des journées de débat. Nawed consacre son quatrième numéro hors série de son magazine à la question de la condition des subsahariens en Tunisie. On l'a intitulé « Migrants subsahariens en Tunisie, transit ou terminus ?» D'ailleurs, il est disponible ici, vous pouvez vous le procurer en avant-première. Nous avons choisi d'ouvrir justement ce débat éponyme, on a choisi le même intitulé, pour vous spectateurs et pour nos invités aujourd'hui, que je suis très ravi d'accueillir. Donc, je commence tout d'abord par Wefed Dawedi, bienvenue, coordinatrice de projet au Fonds des Nations Unies pour la population, experte en accès au droit et à la santé, au droit à la santé. Chef Ariehi, bienvenue, directrice Terre d'Asile Tunisie, structure d'aide et d'assistance aux migrants subsahariens. Et Mahmoud Kaba, bienvenue également, chargée de projet régional migration à Euromed Droit, suivi de la situation économique et sociale de la communauté subsaharienne en Tunisie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation tout d'abord. On pourrait juste commencer par le commencement. On parle d'une communauté subsaharienne en Tunisie, mais quelle est sa genèse, comment elle a été créée? On pourrait penser que justement le rapport de la Tunisie vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne est un peu ambigu. Donc j'aimerais commencer avec vous, si on peut avoir une petite rétrospective de la création de cette communauté. Je commence par vous, Mahmoud. Il faut juste penser à l'ouvrir, voilà, l'activer. Non, ça ne marche pas. Bonsoir tout le monde. Merci pour la question. On pourrait déjà commencer à remonter durant les années 70, quand la Tunisie a commencé, on va dire, sa première coopération avec certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. À l'époque, c'était plus un cadre de coopération avec des pays, on va dire, musulmans. Et donc, de jeunes personnes venaient poursuivre des études ici en Tunisie. Moi, je suis natif de Tripoli. Mon père a fait ses études en Tunisie dans les années 70. Et donc, de 70 à 80, il y a eu cette première vague. Dans les années 90, la Tunisie a voulu se positionner comme un pays dans la région, un pôle universitaire dans la région. Et donc, la coopération s'est multipliée avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est ainsi qu'on a commencé à avoir les premiers étudiants qui venaient ici en Tunisie pour suivre leurs études. Et donc, jusque-là, on avait principalement une migration d'étudiants. Ensuite, il y a eu 2004, la Coupe d'Afrique, si je me rappelle bien. En 2003, il y a eu l'installation de la BAD aussi. Et donc, à partir de là, une population travailleuse est de plus en plus visible. Donc, les fonctionnaires de la BAD, qui étaient des travailleurs, qui étaient considérés comme une population assez riche, mais ils étaient aussi avec leur personnel, qui est installé ici. Ensuite, la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, il y a certaines personnes, des supporters qui sont restants en Tunisie. Ainsi de suite, jusqu'en 2011, vous savez ce qui s'est passé. Justement, en 2011, où justement il y a eu plusieurs changements, où la Tunisie, qui n'était pas réputée pour avoir un discours assez exacerbé au niveau de la question migratoire, s'est retrouvé au centre du jeu avec la crise libyenne, avec ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Je m'adresse à justement la directrice de Terre d'Asile qui suit et qui assiste justement ces migrants-là. Quel changement a eu lieu finalement dans la sociologie de cette communauté après 2011? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Est-ce que justement cette population de travailleurs a augmenté, ou juste de nouvelles personnes sont arrivées avec de nouvelles attentes? Qu'est-ce qui a changé finalement?
Déjà, comme l'a dit Mahmoud, avec l'installation de la BAD et la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu quand même un nombre, 1000 familles ivoiriennes qui se sont installées en Tunisie. Qui dit 1000 familles, c'est beaucoup plus que 1000 personnes qui arrivent en Tunisie avec leur personnel, etc. Après la sortie de la BAD, beaucoup de familles, notamment le personnel qui accompagnait ces familles-là, ont décidé de rester. La crise de 2011 a vu arriver en Tunisie de nouveaux profils. Donc notamment beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés qui ont quitté la Libye. Donc il y avait des personnes qui ont quitté la Libye, qui ont transité par la Tunisie et ont été rapatriées dans leur pays d'origine, mais il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont préféré, qui ont choisi la Tunisie comme terre d'accueil. Donc c'est de nouveaux profils, c'est de nouvelles nationalités. On était plus sur des personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest depuis un moment, depuis 2011, et là on le voit encore plus un nombre en augmentation, des personnes qui arrivent, qui sont originaires de l'Afrique de l'Est. D'accord. Et anglophones, une population anglophone. Après, il y a de nouvelles nationalités aussi, de nouvelles tendances de nationalités qui sont en augmentation, notamment il y a eu aussi de nouvelles communautés qui se sont installées et organisées en Tunisie. Avec la crise en Côte d'Ivoire, c'était principalement une grande présence d'une communauté ivoirienne. Mais là, il y a de nouvelles communautés qui s'installent, qui s'organisent en associations communautaires et qui ont choisi la Tunisie. Donc on peut parler d'une certaine structuration de la communauté subsaharienne en Tunisie. Je m'adresse à Wafé par rapport à justement la démographie un peu de cette communauté. La part des jeunes, la part des femmes, parce que ce sont des profils différents, comme l'a souligné Sherifa. Justement, c'est entre un pôle universitaire et entre une population de travailleurs et des personnes qui justement sont là pour un projet migratoire. Comment ça s'est structuré finalement au niveau démographique? En fait, comme disaient les amis et les collègues, les invités aujourd'hui, c'est la communauté, elle est assez jeune par rapport aux autres communautés migrantes qui se sont installées en Tunisie, notamment d'origine arabe et syrienne ou d'origine libyenne. Mais on voit de plus en plus l'installation en famille, donc on voit la jeunesse d'une nouvelle génération, de la première génération ou la deuxième génération de personnes ou d'enfants naissant de familles subsahariennes, d'origine subsaharienne. Comme on dit, ça reste toujours une population assez jeune, et une population qualifiée en bonne santé, une population qui est active, qui est en Tunisie principalement pour deux motifs principaux, c'est l'éducation ou pour des raisons économiques, et c'est ce qui fait que ça limite le profil de cette communauté ou de ces communautés, parce que bien qu'on les qualifie de communautés d'origine subsaharienne, elle est assez hétérogène, surtout d'un point de vue culturel, linguistique, ou même au niveau de l'installation et même au profil démographique. Par exemple, quand on parle de femmes, on dit que la majorité, elle est d'origine ivoirienne, vu que il y a plusieurs femmes qui transitent ici en Tunisie ou qui s'installent ici en Tunisie pour rentrer dans le secteur de travail informel et surtout le travail dans les ménages privés. On parle aussi que l'installation depuis une dizaine d'années, surtout au niveau du sud, de communautés et de groupes de personnes qui viennent de la Libye, de l'installation en famille, on voit une nouvelle génération qui est en train de se créer, plutôt de s'ancrer. On passe d'un modèle juste d'individus qui viennent en Tunisie à un modèle plus ou moins de famille, mais dont le profil il est assez hétérogène. D'accord, donc c'est une structuration à différentes échelles finalement. Donc la révolution est là, la communauté s'est un peu créée d'une certaine manière, différentes nationalités, différentes aspirations.
Parlons justement de son intégration en société. On va commencer avec le niveau sociétal, justement, et pas au niveau étatique, gouvernemental. Comment, justement, ces populations se sont intégrées à la société, puisqu'ils occupent des ils travaillent, ils vivent avec les Tunisiens, dans les rues, dans les villes. Donc, comment vous jugez ça, notamment puisqu'on a entendu parler plusieurs fois d'actes de racisme, notamment en 2015. Est-ce que finalement c'est un phénomène généralisé ou c'est plutôt anecdotique par rapport aux rapports entre guillemets les locaux et les migrants? Je commence par vous aussi. Nous, on a fait une étude en 2020 sur l'intégration des étudiants subsahariens en Tunisie. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que les étudiants se sentent bien intégrés en Tunisie, mais dans leur communauté. C'est-à-dire que dans la ils vivent très souvent, d'ailleurs, en communauté, on le voit. Ils se sentent bien. Ils ont leur repère. Ils vivent très bien en communauté, sachant qu'il y a plusieurs, comme l'a dit ma collègue, il y a plusieurs nationalités. Mais ils ne se sentent pas intégrés dans la communauté, disons, d'accueil en Tunisie, ne se sentent pas très bien intégrés. Après, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des enfants qui sont scolarisés, très peu. Mais il y en a quand même des enfants qui sont là, notamment les enfants qui sont nés en Tunisie, qui ont commencé leur parcours avec les enfants tunisiens. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup, on a été témoin de beaucoup d'actes de racisme, racisme de la part institutionnelle, racisme de la part dans la rue, dans la société d'une manière générale. C'est ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas à s'intégrer facilement en Tunisie, qui vivent beaucoup plus en communauté. Bien sûr, il y a des exceptions. Mahmoud, je pense que c'est merveilleux exemple d'intégration. Mais plutôt, j'allais justement lui demander, est-ce que vous partagez le même constat? Est-ce que finalement, le fait de travailler, même si finalement la scolarisation, c'est pas assez avancé, est-ce que ça suffit pas finalement d'avoir des rapports plus développés entre les migrants et les Tunisiens finalement? Parce que justement, le constat dressé, c'est plus une vie communautaire qui est extrêmement développée, même si les nationalités se mélangent. Mais là où ça coince, c'est plutôt au niveau en société par rapport aux Tunisiens eux-mêmes. Est-ce que vous partagez le même constat ou vous plutôt le qualifiez autrement? Disons qu'au début des années 2000, la population migrante subsaharienne était invisible. Et donc les premières études qui ont été faites par exemple Hassan Boubakri, il en parlait dans ses études en essayant de faire un mapping des espaces géographiques à Tunis où étaient les personnes migrantes, mais qui étaient principalement invisibilisées. Mais au niveau de l'urbanisation, c'est les personnes qui se retrouvaient dans les mêmes endroits. Avec ce qui s'est passé en Libye. Et donc, il a commencé à avoir une population importante venant d'Afrique subsaharienne. Et c'était, on va dire, assez nouveau en Tunisie. Et donc, à ce moment, la relation avec la population tunisienne était plus de la curiosité. Alors, une nouvelle population commence à venir. Donc, c'est plutôt de l'accueil, tout de suite, en fait. Plus le temps passait, plus il y avait des personnes migrantes d'Afrique subsaharienne, et plus les problèmes commençaient à être visibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes qui sont ici sont dans des emplois, malheureusement, qui sont souvent précaires. Et donc vont se retrouver dans des quartiers qui sont aussi sensibles à Tunis. Et à partir de là, il y a des tensions qui se créent, soit... Pourquoi, par exemple, cette personne travaille et moi, le Tunisien, je ne travaille pas, et donc des tensions se créent à ce niveau. Et après, l'intégration entre les personnes d'Afrique subsaharienne, je pense que ça, c'est très normal. Dès qu'on est à l'étranger, très souvent, on se rapproche des personnes à qui on ressemble tout de suite.
D'accord. Et je voulais juste compléter avec vous, c'est juste pour vous demander, parce qu'on a vu qu'il y avait une loi qui a été votée en 2018 après quelques actes racistes qui ont lieu justement en société, bah, notamment celui de 2015 et des cas de traite qui ont été jugés par la justice. Donc on a senti que le gouvernement finalement prenait vraiment voilà, prenez vraiment un peu conscience de la situation. Quel impact a eu finalement cette loi? Est-ce que ça a vraiment avancé ou amélioré les rapports entre les subsahariens et la population? Bon, c'est pas pour moi, c'est pas que le gouvernement tenait à cœur forcément à ça. C'est qu'il y avait aussi des enjeux économiques. C'est que la Tunisie voyait le nombre d'étudiants régresser. Et donc. Des associations faisaient du plaidoyer depuis. Il y a eu un incident où trois Congolaises ont été agressées au centre-ville. Donc, ça a accéléré l'adoption de cette loi. Mais voilà, il y avait des enjeux vraiment au niveau de l'image et au niveau du nombre en baisse des étudiants. Est-ce que ça a eu un impact? Combien de personnes ont été jugées pour discrimination raciale? Je ne sais pas. On sait tous. Mais ce qui est sûr au niveau... Au niveau de la lutte des organisations de la société civile, c'est un grand pas. D'accord. Il vaut mieux avoir un cadre légal que ne pas avoir finalement. Je peux passer à Wafé. Par rapport à justement, on parlait d'une communauté qui s'est structurée, qui s'est engagée dans le marché du travail, avec une dominance de la communauté ivoirienne justement, qui est une population féminine assez, assez importante, qui a occupé des métiers, ce qu'on appelle du care, entre guillemets. Comment justement leur périple, comment il s'est passé, comment ils se sont justement intégrés et quel est leur état aujourd'hui, comment ils arrivent à occuper justement cet espace des métiers justement précaires que a décrit Mahmoud. Oui, ce qu'on qualifie des métiers précaires aujourd'hui, c'est les métiers d'assistance et surtout à domicile et des métiers, et ils sont dans une situation précaire parce que c'est un travail informel. C'est un travail qui est assez dur et des heures qui frôlent et parfois ça frôle pas, c'est même un travail qui rentre dans le descriptif même de la traite, mais à la fois... c'est pas assez rentable comme le volume de travail le veut ou le souhaite. Pour tout ce qui est la situation, malgré toutes ces lois, malgré la loi contre les violences faites aux femmes, la loi contre la traite humaine, on voit toujours et on voit de plus en plus ce phénomène, surtout dans le travail domestique informel et dans les ménages privés. On le voit comme se qualifier d'un peu d'un vice de la société tunisienne et d'une certaine catégorie qui justifie en quelque sorte ce type de comportement ou de faire recours à ces circuits de traite et à ces circuits de criminels plus ou moins pour avoir recours à l'aide et l'assistance domestique et pour dire que pour justifier des comportements même racistes et normaliser les formes racistes, dire que cette charge de travail ne peut être faite que par une femme ivoirienne. Une femme tunisienne ne peut pas donner une qualité pareille de travail. Je peux faire confiance. Elle ne sort pas, elle ne connaît pas la langue. Et donc, quand on parle de questions d'intégration, je ne pense pas qu'on peut parler de l'intégration des femmes, surtout qui sont actives, parce que cette activité ne permet pas vraiment de consolider ou d'améliorer la situation socio-économique. C'est-à-dire ces femmes-là, la majorité, n'ont pas accès à des carnets de soins, n'ont pas accès à des jours de repos. Le minimum de droits que tout travailleur se veut ou se réclame, on ne peut pas en parler. Du coup, la question d'intégration, plutôt on est... comme disait Mahmoud, on voit de plus en plus, on est habitué par rapport aux années 2000, la société tunisienne voit de plus en plus la communauté immigrante, mais ça ne veut pas dire qu'elle accepte ou qu'elle est bien intégrée, et surtout que cette intégration, plutôt je vois, surtout après la Covid, je vois plutôt
des actes plus expressifs en termes de violence, et on voit des forums qui deviennent plus violentes, et comme si la crise économique dont passe la Tunisie actuellement peut être mise sur les épaules de cette communauté migrante. Et on le voyait, moi hier, je dis ça à titre d'exemple, moi hier j'étais dans un colloque et là il y avait un cadre d'un ministère qui disait mais on sait qu'ils prennent nos travail, on sait qu'ils prennent le travail ici en Tunisie. Et je ne comprenais pas comment l'analogie a été faite entre le cadre d'un ministère qui est en charge des affaires, surtout de cette population, et en même temps dire que sans aucune évidence, sans un fondement, dire oh, voilà, mais ça c'est pas mal fondé, ça c'est pas, c'est, on le voit dans la rue et tout ça. Donc la question d'intégration, je pense, c'est une fausse déclaration, et surtout pour les femmes, parce qu'on sait que les violences dont subissent les femmes migrantes et dont subissent la communauté subsaharienne ici, elles sont doubles, elles sont triples pour les femmes, pour leur statut de femme, pour l'imaginaire tunisien de la sexualité, la sexualisation du corps des femmes, et aussi dans l'existence de ce corps féminin, ce corps de femme subsaharienne migrante dans l'espace public tunisien, et comme si on se permet, que ça fait partie d'un héritage commun qu'on peut se permettre. Donc au-delà de l'économique, il y a le volet culturel. Chéva, juste pour rebondir justement sur ce qu'elle disait, vous qui portez assistance aux migrants subsahariens en Tunisie, justement vous avez constaté cette augmentation de la violence qui est, comme Oefe l'a souligné, de plus en plus décomplexée et oui, de plus en plus assumée. Et y a-t-il des, puisque vous êtes sur plusieurs régions également, est-ce qu'il y a des différences régionales à ce niveau? Tout à fait. Depuis la crise économique, notamment le Covid, comme l'a dit Mahmoud, ces dernières années, la population migrante, principalement subsaharienne, est devenue beaucoup plus visible. Beaucoup plus visible, moi je dirais, parce que pendant le Covid, il y a quand même eu une vague de solidarité, et notamment, je le souligne un peu, mais les institutions aussi publiques ont été quand même à un certain moment pendant le Covid solidaires aussi avec la communauté migrante. Donc, ça a un peu déconstruit cette crainte d'être visible. Moi, j'ai géré le sous-bureau de Sfax en 2018 et j'ai reçu des personnes qui vivaient sur Sfax depuis 5 ans qui connaissaient pas le centre-ville de Sfax. Aujourd'hui, on voit une grande présence de populations migrantes dans le centre-ville de Sfax. La crise économique a aussi fait ressortir une agressivité qui était peut-être cachée, camouflée de la société tunisienne. On a un discours de haine qui est alarmant aujourd'hui, je le dis, en grande montée, notamment un discours médiatique, un discours institutionnel. Donc on a aujourd'hui des acteurs, des décideurs politiques qui, dans des plateaux télé, appellent à de la violence, ont des discours discriminatoires, des discours de haine, et notamment avec cet argumentaire que les étrangers en Tunisie, principalement les subsahariens, sont en train de contribuer au chômage des Tunisiens. Malheureusement, la loi 5 ans de lutte contre les discriminations raciales n'a pas amélioré les choses. Et je pense que cette loi a été adoptée par la Tunisie, peut-être pour des raisons économiques, comme l'a dit Mahmoud, parce que entre 2014 et 2018, on a vu le nombre d'étudiants subsahariens diminuer de moitié en Tunisie. Et quand on demande les raisons, c'est principalement à cause de la discrimination, notamment dans les procédures administratives, toutes les démarches
très compliquées de régularisation, d'obtention de carte séjour, etc. Je vois ici le président de l'AESAT qui pourra peut-être après témoigner de ça. Il y a aussi donc la loi d'abord n'est pas appliquée comme il faut. C'est aussi, certes, on a un cadre légal, c'est mieux que rien, mais il y a beaucoup de lacunes aussi au niveau de cette loi qui devrait peut-être faire l'objet d'un autre débat à notre jour. Mais cette loi a été aussi adoptée pour que la Tunisie formalise ses engagements internationaux, notamment les conventions qu'elle a ratifiées. Donc c'est un enjeu d'image. C'est aussi l'une des recommandations de l'examen périodique de 2017 aussi pour adopter une loi. Donc un discours de haine qui commence à être vraiment alarmant, un accès aux droits fondamentaux qui commence à connaître de grandes barrières aussi. Parlons justement du péché originel de tout ça, qui est la précarité, justement. Vous parliez dans une interview à Nawet, que vous pouvez tous regarder, de la question du travail pour les migrants subsahariens en Tunisie. Vous disiez que la Tunisie délivre 200 certificats de travail légal par année sur 5000 pour les étrangers de toute nationalité confondue, or que le contingent de travailleurs subsahariens est très, 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 très largement supérieur. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est une volonté, du gouvernement justement de laisser ce statu quo et d'appuyer un peu sur cette précarité, ou c'est de la négligence? Comment vous expliquez ça? Je suis preneur d'un début de réponse si ça existe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, d'après l'Institut national de la statistique, il y aurait 59 000 personnes étrangères. C'est biaisé, cette étude, ça a été fait pendant Covid, mais quand même ça nous permet d'avoir une première estimation du nombre d'étrangers. Et dans ce chiffre, un peu plus de 30% sont les personnes d'Afrique subsaharienne, soit 21 000 personnes. Et pour pouvoir travailler en Tunisie légalement, il faudrait faire une demande au bureau de la main d'œuvre étrangère qui vous délivre une autorisation de travail. Et dans ces autorisations qui sont fournies, il y aurait 5 000 à peu près qui sont délivrées chaque année. Et dans ces 5 000, 2% c'est le chiffre des personnes d'Afrique subsaharienne, soit 200 personnes, sur un nombre de 21 000 personnes qui sont ici, dont la plupart travaillent. Donc, et ceci s'accompagne aussi, comme l'a souligné Chef, par des difficultés administratives d'obtention de cartes de séjour pour les étudiants, pour les travailleurs, pour les femmes, toutes catégories confondues. Justement, l'intitulé du débat, est-ce que la Tunisie est devenue un espace de transit ou un terminus migratoire? Est-ce que justement la question du séjour est peut-être le début de réponse? C'est que la Tunisie, finalement, aspire à transformer la Tunisie en un espace dans lequel les subsahariens peuvent travailler, mais sans peut-être exploiter d'une certaine manière. Donc, comment vous voyez ça? Moi, je suis travailleur en Tunisie. Et je me dis que si je voudrais être amené à partir de la Tunisie, c'est pour des raisons d'envie, de professionnel, mais pas pour ces raisons administratives. Et justement, en tant que travailleur étranger, je fais face à tout ça et je me pose aujourd'hui des questions de pouvoir, est-ce que je pars ou pas? Et donc, migration de transit ou terminus, c'est qu'il y a aujourd'hui une visibilité importante sur ceux qui font la traversée. Pour moi, ça ne représente pas la réalité. Il est vrai qu'il y a un nombre important de personnes qui sont là pour pouvoir partir. Mais il y a aussi beaucoup qui viennent pour s'installer. On n'en voit pas, on n'en parle pas. Émigration de transit, encore, c'est politique finalement. Parce que on est dans des espaces d'aventure. Je viendrai bien en Tunisie et si je ne me sens pas bien, ben, je pars dans un autre pays. Mais à partir de ce moment, on me mettrait dans cette case de migration de transit pour finalement justifier toutes ces politiques d'externalisation sécuritaire
qui serait de bloquer les personnes, réduire la délivrance des visas et tout un tas de choses. D'accord, donc pour vous, en gros, l'État s'aligne un peu sur les politiques internationales de en gros, l'Union européenne qui aimerait justement garder ces populations dans une privation de mouvement finalement. Elle trouve son compte là. Oui, elle trouve son compte. Je passe à Sheva justement par rapport à cette question de la précarité. Quel impact ça a au niveau de l'assistance finalement? Est-ce que quels sont les types de demandes que vous recevez chaque jour des migrants qui sont finalement comme Mahmoud l'a souligné, c'est des cas uniques pour chaque. Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mahmoud. La Tunisie ne veut pas se positionner comme port sûr de débarquement ou comme pays sûr. Du coup, c'est une position politique de la Tunisie de ne pas adopter certaines lois, de ne pas faciliter certaines choses. Personne ne peut le nier. Aujourd'hui, la communauté, les migrants, d'une manière générale, qu'ils soient subsahariens ou pas, contribue énormément à l'économie tunisienne. Et ça, on ne veut pas le dire. Certaines structures ne seraient en arrêt de travail s'il n'y avait pas la main-d'œuvre subsaharienne qui travaillait et qui est aujourd'hui en train de contribuer d'une manière extraordinaire au développement de la Tunisie. Mais ça, on ne le dit pas, bien sûr. La précarité légale, je vais dire, donc qui est en rapport avec l'irrégularité ou la régularité de séjour, présente la première barrière à l'accès aux droits fondamentaux des personnes qui vivent en Tunisie. Et un accès aux services fondamentaux, notamment l'éducation, un logement décent, droit à la mobilité en Tunisie d'une manière sécurisée, accès aux soins. Tout ça dépend du statut de la personne et de sa situation administrative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaidoyer qui se fait de la part de la société civile, bien sûr, parce que l'État est complètement démissionnaire quant à la prise en charge de la population étrangère en situation de vulnérabilité en Tunisie. Mais il y a quand même beaucoup d'autres barrières. Aujourd'hui, on a eu des blocages de prise en charge médicale de certaines personnes parce que l'hôpital où ils se dirigeaient n'était pas assez informé et formé sur le fait que l'accès aux soins est obligatoire à tout le monde, quel que soit son statut. On a aussi des personnes qui sont prises en otage aujourd'hui par des hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures et qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. On a eu des femmes qui ne pouvaient pas, dont les bébés étaient hospitalisés, et qui ne pouvaient pas aller les voir ni les allaiter parce que la facture de l'hôpital n'est pas payée. Donc, pareil pour la scolarisation des enfants. C'est vrai qu'on a quand même un cadre légal, protecteur, inclusif, qui ne fait pas de différence entre enfants tunisiens, enfants migrants. C'est vrai que l'accès à la scolarisation, il est gratuit pour tout le monde. Après, quand on regarde le prix à payer pour la fourniture scolaire, pour des programmes d'aide à la scolarisation, pour des enfants qui doivent être scolarisés dans un système qui n'est pas du tout adapté à leurs besoins, tout ça, ça pèse. Dénote d'aucune politique de prise en charge spécifique pour certaines personnes. Parlons justement de l'accès à la santé, c'est un peu votre sujet. Par rapport justement à l'accès aux soins, l'accès aux structures de santé et à la crise du Covid, parce que la crise du Covid, c'était un cadre exceptionnel dans lequel on a vu de nouvelles pratiques, justement. Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau, parce qu'on vous lit aussi dans le magazine de Nawed, vous parliez par exemple dans le Covid de refus de soigner des personnes subsahariennes, comme l'a souligné Sheva aussi, des prises en otage entre guillemets pour des impayés. Comment vous jugez justement l'accès aux soins des personnes subsahariennes en Tunisie aujourd'hui?
Bon, l'accès aux soins en Tunisie actuelle est déjà précaire pour commencer. Même avec la sécurité sociale pour les Tunisiens, on la qualifie d'une santé en état d'effondrement et un secteur de santé totalement, bon, je ne vais pas dire totalement effondré, mais en cours d'effondrement, c'est ça. Pour la population migrante ou les groupes migrants ici en Tunisie, surtout la population subsaharienne, le fait de ne pas... Il y a plusieurs barrières qui se posent pour accéder, pour connaître même la structure où elle est. La barrière de langue qui à chaque fois qu'on fait une interview ou on est dans un entretien ou dans les centres qu'on appuie, les centres de prise en charge ou de soins de santé, toujours c'est le premier argument, comme s'il n'y a pas un minimum d'effort fourni, parce que quand on dit qu'il y a une barrière de langue, alors que les études universitaires du personnel soignant, ou à la limite il y a un minimum d'informations en français qui peut passer, le fait que l'espace public est principalement en arabe, surtout pour dans les hôpitaux et tout ça, ça crée une barrière même pour accéder à l'information. Et après, il y a l'accès à la structure de soins qui est tributaire à la personne qui fournit cet accès. La première personne, l'agent de sécurité, jusqu'au médecin ou à l'infirmier ou l'aide-soignant. Et là, tout dépend de leur compréhension de cet accès ou l'accès au droit à la santé. Parfois, il y a surtout dans les hôpitaux, par exemple, Mondjislim, là où on voit de plus en plus des cadres de convention en coopération avec les organisations de la société civile. Et donc, c'est plus ou moins, il y a une certaine sensibilité que l'accès aux soins doit être garanti, ou les associations, elles assurent un minimum de voucher pour les situations en urgence. Mais en général, quand on parle d'un accès, tout dépend comment la personne, elle est en train de faire sa propre analyse de ce droit. C'est-à-dire, c'est individuel, c'est les valeurs personnelles parfois, et parfois, c'est pas toujours parfois, c'est dominant. Quand on voit qu'il y a une preuve, par exemple, quand on parle de soins, maintenant on parle de plus en plus de soins santé sexuelle et reproductive, parce qu'on sait qu'il y a une certaine stigmatisation, surtout pour la population subsaharienne jeune, pour l'accès et les stigmas de transmission, les discriminations, les racismes liés à la transmission des IST et tout ça en Tunisie. Et donc, on les voit dans les institutions. C'est-à-dire, moi, je refuse aujourd'hui le soin. On le voit de moins en moins visible, mais on le voit toujours que voilà, mais on ne peut pas le nier. On le sait, un seul cas, ça devient la majorité. Et après, il y a la question aussi d'accès aux médicaments. D'accord. Ok, moi j'ai pu accéder aux soins, j'ai pu avoir un certificat. Un certificat de maladie n'est pas garanti d'un congé de repos, vu les conditions précaires de travail. Aussi, l'ordonnance médicale, parfois on prescrit les ordonnances, parfois on refuse à la pharmacie de remettre le médicament qui peut être donné à titre gratuit ou à un tarif réduit. D'autres fois, c'est le fait que le médicament, surtout avec la pénurie qu'on voit de plus en plus des médicaments ici en Tunisie, c'est assez cher, on trouve que les princeps, on ne trouve pas d'autres alternatives locales et nationales. Et donc, à chaque étape, il y a un obstacle qui s'oppose. L'obstacle majeur qu'on essaye toujours de souligner, c'est un obstacle d'absence d'une volonté non seulement politique, mais au niveau stratégique et programmatique de mettre la question de la migration au niveau
réelle de stratégie d'ordre social. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'accès, stratégie nationale, toujours on ajoute, on annexe la question de la migration, il faut qu'il y ait un effort de la société civile, mais quand on décline ça dans les indicateurs de ces stratégies et ces plans-là, on ne retrouve plus cet indicateur. Et donc le fait que ce n'est pas une question qui est transversale, et le fait la personne qui définit ou le groupe qui définit cette stratégie nationale et stratégie sociale ne voit pas la question de la migration dans les premiers plans de définition de stratégie, nous remet à la case de départ de précarité et à l'accès aux soins. Je veux rester juste sur le Covid et la situation du Covid, vous qui êtes dans l'assistance justement en Terre d'Asie. On a vu par exemple l'État tunisien a proposé aux migrants d'être vaccinés dans le centre de Ouardaïa, mais finalement cette initiative, déjà, a-t-elle trouvé le succès escompté, parce qu'il y avait beaucoup de doutes au niveau des subsahariens par rapport à s'ils se font attraper ou par rapport à cette menace-là. Comment ils ont vécu la situation du Covid, qui était justement exceptionnelle à différents niveaux, puisque l'activité économique a été largement stoppée, la situation sanitaire s'est dégradée de façon spectaculaire. Donc, comment ça a été vécu cette période? Déjà, le choix de vaccination du centre Ouardaïa, c'est très, très intéressant. Le centre de Ouardaïa, pour ceux qui ne le connaissent pas, centre très, très connu, c'est un centre de rétention de migrants qui a vocation d'accueil et d'orientation. Donc, qui n'est pas muni d'un cadre légal, qui n'est pas identifié comme un centre de détention, mais un centre d'accueil et d'orientation. Et donc, les gens qui sont détenus dans un centre, bien sûr, une détention arbitraire, etc., on va passer sur l'aspect juridique, ouais, de leur arrestation arbitraire, etc. Donc, quand on vient, on vient leur dire on va vous vacciner sans qu'il n'ait aucun accès à l'information, aucun accès à la situation, c'est quoi ce Covid, c'est quoi ce vaccin, c'est normal qu'ils refusent d'être vaccinés. C'est tout à fait légitime qu'ils refusent d'être vaccinés. D'accord. Sur l'aspect général de la répercussion du Covid, bon, bien sûr, c'est une population qui a été très touchée économiquement déjà, parce qu'ils étaient dans l'informel, parce qu'ils travaillaient principalement dans les services, parce qu'il n'y avait pas eu, contrairement à d'autres personnes, leur salaire était... quand ils ne travaillaient pas, ils ne percevaient pas de salaire. C'est une population qui vit à cause de la précarité dans des logements encombrés, et donc la distanciation sociale était très difficile à maintenir. Et puis l'accès aussi à l'accès d'abord au vaccin. Le premier blocage, c'était qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire sur la plateforme pour les gens qui ont des pièces d'identité, etc. Après, pour les personnes qui n'ont pas de pièces d'identité, c'était tout un plaidoyer qui a été fait auprès du ministère de la Santé. Il y a aussi un programme Azima qui a été mis en place, qui est assez intéressant, qui nous a permis, suite à un plaidoyer, pour que nous, acteurs de prise en charge, puissions délivrer des cartes de vaccination à la population migrante pour qu'elle puisse se faire vacciner. Mais ça, c'est venu il y a une année à peu près, ou un peu moins. D'accord. Donc c'était vraiment très tard, après que les Tunisiens aient eu la première et la deuxième dose. L'accès aussi au dépistage du Covid, qui coûte très cher, qui n'est pas pris en charge. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient contaminées, mais qui ne pouvaient pas diagnostiquer ça. Donc c'est un impact assez dévastateur. Oui, assez dévastateur. Bon, le point positif, je le redis, c'est qu'il y a eu quand même la mobilisation d'institutions publiques
principalement les mairies qui étaient vraiment d'une solidarité assez importante avec la population migrante et qui ont considéré les migrants comme citoyens de la ville. Et ça, c'est très important, c'est une première en Tunisie. Mais ça reste quand même tributaire du conseil municipal, de ses orientations, de son engagement. D'accord. Mahmoud, je m'adresse à vous par rapport à la société civile, justement, au rôle de la société civile. Nous constatons que plusieurs associations communautaires se sont créées, d'étudiants, de populations. Ils se multiplient par nationalité. Ils sont assez présents. Justement, quel a été leur rôle et impact depuis leur création après 2011, bon, après les dates diffèrent d'associations à nous, mais est-ce qu'ils ont un rôle d'appui aux institutions, entre guillemets, ONG un peu plus grandes? Comment ils participent à la solidarité? Donc, comment vous jugez un peu un bilan de ces associations qui existent, qui est quelque chose d'assez paradoxal par rapport à ce que vous décriviez d'absence de droits, d'absence de carte de séjour, d'absence de reconnaissance finalement. Le fait d'avoir ces associations, quel impact ils ont aujourd'hui? Il y a des hauts et des bas, mais ces organisations jouent un rôle très important et je dirais même incroyable. Quand on regarde l'évolution de 2011 à maintenant, ne serait-ce que, je vais prendre l'exemple du sud, de Sfax. En 2016, à ce moment, je travaillais à Terre d'Asile, justement. On venait de mettre le bureau en place et on faisait de l'assistance. On ne connaissait personne. Et donc, c'est les communautés, justement, les organisations qui étaient là, qui se sont créées de façon spontanée, en fait. On arrive, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise et on essaie donc de s'entraider. C'est ainsi que ces organisations ont travaillé à l'époque avec Terre d'Asile, ont facilité l'accès aux soins, et ça nous a aussi permis d'identifier les besoins. Donc il y a cette facilité de travail pour la protection, mais aussi un peu plus dans le micro. Ok. Mais aussi au niveau du plaidoyer. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les organisations internationales ont beaucoup de moyens. Enfin, pas malheureusement pour ça, mais malheureusement au niveau de la communication. Donc ce qui fait que les associations communautaires, on va dire ça comme ça, sont invisibilisés. Par exemple, dans ce travail d'adoption de la loi sur la discrimination raciale, il y a eu des organisations de la communauté qui ont été engagées du début à la fin. Il y a eu des marches pacifiques qui ont été faites. Il y a eu notamment l'AISAT qui a fait bouger les choses. Et d'ailleurs, il faut le dire, la plupart des mobilisations citoyennes, on va dire, qu'il y a eu, c'est parti des organisations de la communauté. Et elles ont fait bouger les choses. Les organisations internationales font du plaidoyer auprès des institutions publiques, mais très souvent, des mesures qui ont été adoptées, c'est suite à ces mobilisations citoyennes. Il y a eu la mort de Falikou Koulibaly, un activiste ivoirien qui a été assassiné en 2018. On ne sait jusque-là pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais suite à ça, il y a eu une mobilisation importante. Il n'y avait jamais eu ça en Tunisie. Sfax, Tunis, d'autres villes, des personnes de la communauté se sont mobilisées. C'était incroyable. Et je pense qu'à ce moment, des Tunisiens se sont dit, ouais, il y a un nombre important. Et donc, ces communautés, jusque-là, elles jouent un rôle très important. Malgré leur invisibilisation. Je vais continuer avec vous sur une autre question par rapport à, justement, on décrit une situation assez précaire, assez préoccupante et inquiétante des migrants subsahariens en Tunisie. Quelle est la position des pays d'origine finalement, puisqu'on parle de, on connaît, tout le monde sait qu'il y a des discriminations, des cas de traite, mais on a l'impression que les pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays ne sont jamais là pour ne serait-ce que dire que c'est un scandale qui est en train de se passer par rapport à leurs ressortissants. Comment vous expliquez ce silence et justement cette absence c'est une question collégiale par ailleurs. Hein, oui. Donc, bon, on n'a pas d'ambassade guinéenne, donc je peux bien parler de ça sans problème. ici, on n'a pas d'ambassade. Quel rôle, en fait, les ambassades jouent dans cette situation difficile que vivent les personnes migrantes? Certainement, elles sont amenées à faire des choses, mais qui ne sont pas aussi importantes et impactantes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a rien, en fait, qui est fait.
n'y a rien. Que ce soit quand une personne, je ne sais pas, il n'y a rien, je ne vois rien. En fait. Parce que, en fait, je posais cette question-là parce qu'on a entendu parler à un moment donné, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, de personnel qui soit officiel, qui participe à un moment donné à des réseaux qui ne sont pas très recommandables, entre guillemets. C'est que, voilà, c'est que... D'un côté, il y a une absence officielle totale, mais de l'autre côté, il n'y a aucune assistance sur le terrain qui serait même au niveau même primaire de se dire, moi je suis dans un pays étranger, la première chose c'est que je cherche où est mon ambassade finalement. Ouais. Et finalement, c'est ça qui pose question, c'est que ces pays-là, on a l'impression qu'ils n'existent pas pour leurs ressortissants à un niveau politique. On va passer justement à ce qui se passe aujourd'hui et on a tous constaté que depuis le 25 juillet, il y a eu un changement assez massif en Tunisie au niveau de la gouvernance et au niveau politique. Est-ce que ce changement-là s'est accompagné d'un changement de positionnement sur la question des migrants subsahariens ? Je commence par Chérif. Rapidement, sur les ambassades, elles sont complètement démissionnaires. Tout simplement. Même au niveau du plaidoyer, parce que nous, on a essayé de solliciter quand même certaines ambassades pour qu'au moins, on sait que peut-être que leurs moyens ne sont pas financiers, en tous les cas, ne sont pas assez importants pour qu'ils puissent assister leurs ressortissants, mais au moins qu'ils nous appuient dans notre plaidoyer au niveau du gouvernement, etc. Mais c'est l'absence totale. Les changements à partir du 25 juillet, bon, en tous les cas, pour nous, ça devient un peu difficile d'avoir des interlocuteurs qui réagissent à nos demandes, notamment d'avoir... Le turnover, déjà, il est catastrophique parce qu'on commence à tisser des liens avec certaines directions, avec certaines personnes, certains décideurs. On fait un grand travail de sensibilisation, de plaidoyer. Et au moment où on essaye d'aboutir à quelque chose, il y a un changement. Et donc, on doit refaire tout le travail du début. Après, depuis le 25 juillet, les gens n'osent plus prendre des décisions. Et ça, c'est, je pense qu'on l'a tous vécu à tous les niveaux, quelle que soit la thématique sur laquelle on travaille, les gens sont réticents pour avancer, pour avoir des discussions. On peut les solliciter. On peut parfois avoir des rendez-vous. Mais pour qu'on puisse sortir avec un engagement, c'est quasi impossible. Y a aussi le fait que le portefeuille de la migration a changé de ministère. Et ça, je pense que c'est une position aussi politique. Donc, il était dans le portefeuille du ministère des Affaires sociales. Et là, il est au ministère des Affaires étrangères. Un ministère on le sait tous, très, très opaque. Très protocolaire exactement, très bureaucratique et du coup on a quand même plus de rigidité, on a du mal à avoir un interlocuteur sur la migration. D'accord. Même constat, Wafet. Oui, la question que absence de réponse et absence d'engagement et surtout il y a un certain recul sur certains engagements. On a vu hier ou avant-hier, le rapport, le draft des recommandations que la Tunisie a accepté ou non pour son examen actuel. Et on a vu sur les questions de migration que toutes les recommandations ont été notées, simplement soulignées. Pour la question de recul, même au niveau de la dénomination, on travaille beaucoup au Fonds des Nations Unies pour la population avec l'institutionnel. Et on voit qu'il y a une certaine... avant, il y avait une certaine sensibilité d'un personnel qui a travaillé sur la question avec les organisations de la société civile, les organisations internationales sur la question de migration. Et là, on voit que maintenant, même si cette personne elle est toujours là, elle est incapable de faire passer ou faire avancer le dossier. Ça, c'est
pas juste pour les questions d'immigration, pour toutes les questions sur lesquelles la Tunisie ne veut pas se prononcer actuellement. Un autre constat que la question de migration, elle est, on en parle, avant on en parlait d'un point de vue politique, d'un point de vue programme national ou d'un point de vue social aussi et répercussions. Et là, comme si on essaye de, même au niveau des journaux, même au niveau des news, on ne voit plus la question comme avant positionnée, comme plusieurs autres questions liées aux droits humains, aux droits à la mobilité, aux droits des femmes et tout ça. On ne les voit plus au front et comme si même cette timidité qui est devenue contagieuse au sein des institutions publiques, elle se transmet même au paysage médiatique. La question d'invisibilisation même de profils et des activités, parce que beaucoup de choses passent en ce moment sur les questions de migration en tant que mouvement. On voit des études, qui sont, même les études qui ne témoignaient qu'un état, qui ne faisait que de l'observation. Il n'y a plus cette médiatisation ou cet engagement institutionnel derrière. Tout est. Moi, j'assume ça en tant que WFE plutôt oui. que. En tant on que est là pour assumer. Oui, c'est. la question de migration, elle est devenue comme si un des casiers à ne plus toucher, même en discussion en off. D'accord. Même pour les questions les plus simples, la recherche. Moi, je n'ai jamais pensé qu'en Tunisie, on peut toucher à ça. C'est la question de recherche. Pour moi, c'était consacré. Là, on voit que même sur ça, le terme à utiliser, on utilisait à un moment donné la question de, le terme migration mixte. Et maintenant, j'ai écouté le mot immigré, entendu parler le mot immigré, je pense, trois fois la semaine dernière. Et pour dire qu'on revient même sur des constats, sur des choses qu'on n'a jamais vues reculer auparavant. Mais j'espère que ça, c'est juste un passage, comme toute autre chose. Merci beaucoup. C'est le moment de passer aux questions. Qui veut poser une question ? Donc c'est à la main levée et vous vous présentez ici. Il y a un micro. Soyez pas timide, le sujet est passionnant, on le sait tous. Vous pouvez, après le débat, avoir le nouveau magazine, il est juste là. Et retrouver le débat en replay pour ceux qui veulent le revoir ou le proposer à d'autres. Donc on ouvre la porte aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'on a tout dit réellement? Moi j'ai 4-5 autres questions, mais j'aimerais que vous... Ah voilà, on a deux volontaires déjà. Vous pouvez poser la question en n'importe quelle langue. Si c'est pas en français, on peut la traduire. Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez vous présenter aussi. Ici, comme ça. Maintenant, ça va. Ok, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Moi, je suis Vanessa. Je travaille pour un projet ici, tuniso-allemand. Et moi, je serais intéressée dans la société civile. On a nommé déjà qu'il y avait beaucoup de luttes de la société civile pour la loi 50. Et je m'intéresserais s'il y a des alliances entre la société civile tunisienne et la société civile des migrants communautaires, comme on en a dit. Merci. Une autre question ? Et bonjour, Qaïs Lachal de la société civile La Marsa. Donc j'étais témoin période du Covid à l'appel pour les citoyens et notamment pour aider nos confrères subsahariens. Donc en fait, j'ai une question par rapport à le laisser aller par rapport au travail dans les zones urbaines et par contre on sent bien un comportement totalement différent dans les zones rurales, je ne sais pas pourquoi, notamment dans l'agriculture. Malgré le besoin énorme aux employés à l'agriculture, donc comme si c'est un sujet beaucoup plus délicat à affronter par rapport à une population rurale que
qu'une population urbaine. La deuxième question, c'est pas une question en fait, mais c'est un témoignage. Une fois, j'ai passé en off une discussion avec un responsable. Je lui disais en 2012 pourquoi la Tunisie elle se comporte avec nos frères subsahariens de cette façon. Il m'a dit un mot. Il m'a dit on laisse le peuple tunisien se naturaliser avec la situation. Donc on laisse un peu du temps. Donc et c'est après un moment, une dizaine d'années, 10 ans, je fais recours toujours à ce message-là parce que je le sens. Comme si en Tunisie, c'est laisser le peuple pour admettre que c'est un fait, que nous sommes là avec nos frères. Et il faut un jour les accepter et penser même à les naturaliser. C'est ça. Merci. Une autre question. Ah, juste voilà. Bon, je me présente, Emine. Donc, je suis de la société Genius, de l'association Genius Generation, et avec mon ami Hossein de Semelle d'Afrique. Donc dans ce contexte, on a parlé beaucoup de les problèmes et tout. Alors ma question, elle est très simple. Quelles sont les solutions pour tout ce phénomène? Par exemple, parce que déjà avec mes amis de Camerounais ou Côte d'Ivoire, on a beaucoup de, disons, des petits success stories qui sont en Tunis, à Tunisie. Déjà, ils ont ouvert des sociétés, des entreprises. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas passer par ce chemin de tout ce qui est entrepreneuriat, création de valeur, création d'entreprises. Donc ça, c'est parmi les solutions. Je voulais savoir quelles sont les solutions proposées par tout ce qui est la société civile, terre d'asile, les Nations Unies, qui ont des gros budgets. C'est ça la question. Voilà. Merci. Une autre question? Deux questions. Trois questions. عسلمة الناس الكل. نعرف بروحي ندى عبد القادر، طالبة بحث إيكولوجيا تطورية في كلية العلوم بتونس. في بريود الكورونا شفنا برشا معناها من الطلبة الدوليين اللي قراوا معانا وقت تسكرت البلاد، الأولياء متاعهم ما نجموش يبعثوا لهم فلوس ومساعدات وكل، وزاد حتى نحنا معناها رجعنا البلايس متاعنا والكل. كانت فما مبادرات فردية من الأساتذة متاعنا ونحن كطلبة، وحاولنا معناها كلكو سوا بالماكلة وإلا بالفلوس، وخاصة فما برشا اللي يكرو لهم في الديار ما كانتش فما معاملة إنسانية ليهم. سؤالي لهنا، هل أن بعد الثورة معناها الممارسات العنصرية هذه بانت، وإلا من الأول كانت موجودة ما كناش نسمعوا بها، وإلا كان فما قانون ردعي خلى معناها قبل الثورة كان موجود وبعد الثورة نعرفش تلاشى ولا حاجة كمن هيك. وسؤال الثاني، كانت فما مبادرات معناها فردية وإلا من مجموعات من الطلبة أنه يكون فما بيرو خاص بالطلبة الدوليين فقط يتلها بالمشاكل متاعهم، بالاحتياجات متاعهم، خاصة فما طلبة ما عندهمش سفارات متاعهم في تونس، ويلقوا مشكلة في زادة في حكاية لكارت دو سيجور وغير ذلك. هذا هو. شكرا. جست هوني كستيون منا. Si vous pouvez vous lever, vous approcher du micro. Bonsoir à tous. Ok, merci beaucoup. Déjà, je tenais à remercier les panélistes pour ce débat très enrichissant et pour toutes les informations que vous avez pu fournir. Bon, moi, ma question, ça concerne beaucoup plus la loi sur la discrimination raciale.
Vraiment, je pense que c'était l'un des plus grands combats que la société civile a pu mener en Tunisie pour qu'on y arrive là. Et c'est quelque chose qui, à mon honneur de ma vie, la Tunisie s'est plutôt réjouie d'être l'un des premiers pays du Maghreb à avoir adopté ces lois-là. On peut remarquer déjà que le discours était orienté ailleurs et dans la pratique, ce n'est pas le cas. En Tunisie, il y a toujours beaucoup de racisme. La montée du racisme est toujours croissante. Et c'est même la première cause pour laquelle beaucoup d'étudiants ne viennent plus en Tunisie. Parce que c'est un vrai problème. Et même quand on s'en va au ministère, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Tantôt, le ministère de l'enseignement supérieur veut qu'il y ait plus d'étudiants. Mais le ministère de l'Intérieur fait autre chose. On ne sait même pas si en Tunisie, les ministères sont en accord. Parce que c'est une vraie question qu'on devait se dire. Qu'est-ce qui se passe? Et à cause de cela, on a moins de la moitié des étudiants qui viennent. Et l'année prochaine, ne soyez pas surpris, il y aura encore moins. Parce que là encore, les nouvelles décisions ont changé. À partir de 2022, actuellement, FLA 4 séjours, il s'est ajouté une documentation. Il faudrait maintenant présenter même les diplômes jusqu'au bac pour FLA 4 séjours. Oh, avant, il faudrait montrer seulement ton inscription. Mais actuellement, il faut montrer ton bac pour montrer que tu es vraiment étudiant. Face à toutes ces mesures qui viennent, est-ce qu'il y aura encore les étudiants qui vont venir? Mais là, c'est une autre question. Mais ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette loi entre en vigueur? Parce qu'en Tunisie, vous pouvez être victime de discrimination de la part de votre bailleur, de vos voisins, de n'importe qui, et ça passe crème. Lui, au grand max, il sera blâmé au poste de police, mais après, ça va passer. Mais vous, dans tout ça, vous serez blessé, vous serez abusé, et après, vous avez décidé de ne plus venir en Tunisie, vous avez saboté l'image de la Tunisie. Et je pense que non, la Tunisie n'est pas un pays qui mérite cela. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'accentue sur la bureaucratie pour réussir à savoir ce qui ne va pas et à toucher les éléments qu'il faudrait pour que ça change. Merci. Merci. Une autre question? Ah, juste à côté de vous, droite. Bonsoir. Ça semble bien compliqué. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Maggie, je suis consultante. Donc voilà, je viens d'arriver en Tunisie, donc je ne connais pas très bien, donc je vous remercie infiniment pour vos apports et pour vos analyses. Alors, moi, je dirais que j'ai 250 questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais je vais essayer de limiter. Déjà, sur la question de l'organisation des communautés, donc vous parlez déjà de différents types de communautés. Donc, il y a des langues, la question de la langue, hein, les francophones, maintenant les anglophones qui viennent récemment d'entrer dans le pays. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils s'organisent. Vous parlez d'une organisation qui semblerait être structurée. Est-ce qu'on a des galias, donc est-ce que on est dans des organisations, des associations qui sont organisées, qui sont structurées, qui sont formalisées, et est-ce que ceci explique aussi la question de la visibilité, la Wakbar? Je continue ou je... Vous pouvez continuer. Bon, je continue. Très bien. Donc, est-ce que ça aussi, ça a contribué à la visibilisation, comme dont tu parlais, je te tutoie, Mahmoud. Est-ce que la visibilité est simplement dans les rues, mais est-ce qu'elle est aussi le résultat d'une certaine politique auprès qui vient de ces personnes qui ont pu émigrer? De l'autre côté, vous avez assez peu parlé, des politiques effectivement étrangères, européennes, sur ces questions-là, hein. Comment elles ont changé, comment ceci a impacté notamment la venue ou pas la venue, quels sont les types d'interventions qui sont aujourd'hui financées qui ne l'étaient pas avant, ou comment est-ce qu'on perçoit également ces mouvements-là, hein. Donc ça, c'est une chose. Après, sur la question de la migration, moi forcément, la question genrée m'intéresse, hein, au stade à Wafa. On voit en Libye, on a une migration massivement masculine. Ici, est-ce qu'il s'agit d'une migration masculine, massivement féminine ou pas? On voit aussi que c'est une immigration qui est extrêmement scolarisée, comme vous le disiez, hein, donc pas que des étudiants, mais des personnes qui ont fini les études dans leur pays. Donc il s'agit des pays d'origine qui ont perdu beaucoup de choses, hein, qui ont perdu quand même, qui ont formé des personnes jusqu'à la fin. Et on voit des gens qui sont extrêmement qualifiés et qui vont, comme on disait, hein, être fait l'art, hein, qui vont travailler quand même dans des domaines qui ne sont pas du tout leur spécialité. Donc voilà, donc il y a aussi cette question-là de comment ces personnes-là se retrouvent ici dans un pays alors qu'ils sont surqualifiés pour des postes qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas du tout à leur niveau de qualification et comment se gère. Bon, j'ai d'autres questions, mais je vais m'arrêter là, je crois, je comprends bien. Merci beaucoup. Une autre question, merci. Dernière question. On va passer. On va les diviser.
سامحوني ما نعرفش نحكي بالفرنسي انا مش نحكي بالعربي ومش كيستيون كومونتير معناها انا نشوف معناها اعوذ بالله من كلمتين انه مساله السبساريه معناها في تونس اون جينيرال هي عندها علاقه مباشره بمساله حريه التنقل ليبرتي دي سيركيلاسيون لا اكثر لا اقل خاطر هما ناس جاونا من بلدانهم و ils sont installés là-bas bon كلهم عندهم ان بروجي ميغراتوار باش يمشيو للضفة الاخرى في اغلبهم على الاقل عندهم ان بروجي ميغراتوار باش يمشيو للضفة الاخرى وما نجموش يمشيو شويه قاعدوا لهنا دونك المشكله مش فينا نحنا بون فينا نحنا لوتر بار اما برينسيبالمون زاد في الناس اللي مسكر عليهم الحدود وما هيش مخليتهم يمشيو غادي ما هيش مخليتهم يوصلوا معناها هذاك علاش هما يمشيوا بطريقه غير نظاميه وخاطر نتخيلوا انه واحد يعيش في سيتياسيون هو ما خايبه على الاخر ساعات يكون اس دي اف اصلا وما يجيش باش ياكل وما يجيش باش يشرب سكيو سير انه ما يحبش يقعد في سيتياسيون هذيك سكيو سير انه هو يحب يمشي لسيتياسيون اخير مي ماليريزمون ما ينجمش يمشي دونك اذا كان نحبوا نبدلوا وضعيه لي سيبساريان ما نحكيوش برشا على السيتياسيون نتاعهم في تونس والبريكاريتي ودرا شنو الحكايه هذيك سي كي امبورطون بيان سور اما برينسيبالمون يلزمنا نقولوا انه فما مشكله نتاع ليبرتي دي سيركيلاسيون وقاعدين نشوفوا انه الميديتيراني اللي هو لا سيميتيير لا بلي غروند او موند النسبه الكبيره من الناس اللي كادافر اللي موجود اللي كلا الحوت هما دي سيبساريا معناها فما توانسة فما ليبيا فما فلسطينيين اما هما برينسيبالمون يحبوا يوصلوا سي تو سامبلومون ماشي الميكرو جوست بور ريبوندر او كيستيون ذولي اون ا بليزيور سوجي جون اي نوتي بليزيور فوز اوسي فوز افي نوتي بليزيور نعرفش نبداو بتيت بشريفة سي تو فو الميكرو Je vais essayer de répondre. Donc, Vanessa, sur oui, il y a une collaboration assez étroite entre les associations communautaires, qu'on appelle communautaires, et la société civile tunisienne. Qu'elles soient organisées ou pas, les associations communautaires, organisées, elles le sont, mais est-ce qu'elles sont légalement créées ou pas ? Donc on a des synergies, nous on travaille énormément avec ces associations-là. On a des relais migration, c'est des personnes qui sont leaders dans leur communauté, qui sont accompagnées par terre d'asile, qui sont formées, auxquelles on essaye de donner quelques moyens pour mener des actions dans leur communauté. Donc oui, il y a une très grande collaboration. D'ailleurs nous, on a à peu près 60% de nos publics qui vient chez nous de bouche à oreille. Donc c'est l'information qui se transmet au sein de la communauté. Comme l'a dit aussi Mahmoud, ils contribuent énormément à faire du plaidoyer. On s'adresse à eux pour aussi dessiner un peu nos stratégies d'action et de plaidoyer. Kaï Samahni, mais j'ai pas bien compris votre peut-être question. C'était plus sur est-ce que femme a un décalage ou c'est une question collégiale. Est-ce qu'il y a un décalage entre être subsaharien dans une grande ville ou dans une zone rurale au niveau de chance, voilà, chance d'accès aux droits. Dans les grandes villes, il y a plus d'opportunités de travail, donc on va trouver plus de personnes qui sont là. C'est tout à fait normal. C'est un peu, ça s'applique aussi aux Tunisiens qui se déplacent en interne. Après, oui, l'agriculture, c'est un secteur très qui emploie beaucoup de populations étrangères. Thank you.
fait, donc, Mkaïs, vous voulez dire qu'il y a plus de rigidité au niveau dans les zones rurales dans le comportement avec la population migrante. Il y a peut-être moins de sensibilisation qui se fait. Peut-être, je ne sais pas. Ils sont peut-être plus visibles ou peut-être il y a plus de moyens parce qu'il y a moins de population aussi à contrôler. Donc, alors que dans les grandes villes, il y a, je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas de je passe à Mahmoud par rapport à la, peut-être la question de, après la loi de 2018, bah, qu'est-ce qu'il faut en fait, de plus pour que cette loi prenne effet dans la réalité. Et puis, par rapport, on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qui avait changé depuis 25 juillet, par rapport à, aux procédures pour les étudiants auxquelles on demande aujourd'hui davantage de justificatifs pour pouvoir accéder, accéder aux études. Christian l'a dit, en fait, il y a une, des politiques... Dans le micro. Merci. Il y a une contradiction entre la politique sécuritaire tunisienne et la politique des affaires étrangères tunisienne. À partir de 2015, la Tunisie a commencé à desservir plein de pays d'Afrique de l'Ouest. Et elle a aussi, annulé des visas pour certains pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Tout ça dans le but de permettre cette migration estudiantine, mais aussi pour que les hommes d'affaires tunisiennes puissent pénétrer le marché d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et à côté, vous voyez des politiques rigides sécuritaires. Et donc, évidemment, voilà, il y a deux visions différentes. Au niveau des communautés, elles sont auto-organisées. Elles n'arrivent pas à se créer légalement parce qu'on leur exige des cartes de séjour au niveau de la présidence et de la trésorerie. Pour des personnes qui travaillent ici et qui ont des restrictions au niveau de l'accès au séjour, impossible de faire connaître son association officiellement. Est-ce qu'il y a des recommandations? Il y en a tellement. La première déjà, c'est d'écouter les centres d'études. Le Centre de veille économique et stratégique a publié une étude il y a des années en mettant en avant que rien que dans le secteur de l'agriculture, il y a 100 000 postes à pourvoir. Et inviter le gouvernement à faire recours à la main-d'œuvre étrangère. Elle n'a pas été écoutée. Il y a l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui a publié tous les secteurs où il y a un besoin de main-d'œuvre étrangère. Il y a un besoin de main-d'œuvre. Elle demande à faire recours à la main-d'œuvre étrangère. Elle n'est toujours pas écoutée. Au niveau des organisations, ce qu'on peut faire essentiellement, c'est du plaidoyer, de l'influence auprès des décideurs pour qu'elles se rendent compte. Des enjeux économiques même, finalement. C'est-à-dire que quand on va parler de droits humains, elles n'écoutent pas. Les personnes du gouvernement n'écoutent pas. Et donc, moi, je pense que dans un futur proche, il faut allier droits humains et droits et intérêts économiques, malheureusement, d'accord, dans des contextes actuels. Au fait, si tu as des questions que tu as notées. Oui. En fait, pour revenir à la question de racisme, là, ça marche, oui. Ça marche. La question par rapport à la pratique, entre la différence entre la loi et la pratique, pourquoi on n'arrive pas toujours à implémenter la loi contre les discriminations raciales malgré des années depuis son adoption, et je pense le fait qu'on voit toujours des pratiques normalisées dans le paysage médiatique, le fait que cette question elle n'est pas abordée dans les curricula scolaires, le fait qu'on n'en parle pas, qu'on caresse même dans les feuilletons tunisiens et même dans les séries tunisiennes, on n'aborde pas la question de migration ouvertement, c'est toujours la migration des Tunisiens à l'étranger, plutôt que c'est invisible, la personne migrante d'origine subsaharienne en Tunisie. Même en termes d'image, oui, elle est invisibilisée. Oui, invisible. D'autre part, c'est la notion de des solutions. Oui, on aimerait bien vraiment avoir des solutions qui durent. Pour la question de micro-entreprise, des solutions d'entrepreneurs ou de nouvelles entreprises,
Il y a deux échelles. Il y a la grande échelle macro sur laquelle on veut agir, c'est-à-dire qui permet de voir le changement réellement. Et c'est à travers le plaidoyer, non seulement le plaidoyer à niveau national, il y a un autre plaidoyer qui est en train d'être mené et qui est devenu de plus en plus difficile avec la montée d'un discours nationaliste conservateur dans les pays de l'autre rive de la Méditerranée. Et donc ça pose encore des restrictions sur le mouvement et le droit à la mobilité, mais aussi au niveau national, on sait très bien que même avec tous les rapports sur le besoin pour investir dans les petites entreprises, dans les nouvelles industries émergentes, surtout en Tunisie, on voit que le cadre juridique n'est pas en train d'évoluer ou suivre les restrictions sur l'accès au financement. Donc, n'en parlons pas pour ceux qui disposent d'un minimum de garantie vu leur nationalité tunisienne, alors que pour les personnes migrantes, c'est toujours ça. Il y a toute une procédure, comme s'il y a deux chemins à faire. Un chemin à parcourir par les Tunisiens, un autre chemin à parcourir par les personnes migrantes dans toutes les étapes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être souligné par l'absence de tout type d'harmonisation, coordination entre les secteurs. Il y a certains conflits, manque de coordination entre secteurs et même entre le niveau de vitesse entre les deux, par exemple, le mouvement de la société. Oui, c'est pas la question de même discours, mais il y a un souci sécuritaire, il y a un souci social, il y a un souci qui est politique, et la question n'est jamais abordée d'une manière collégiale, globale, qui fait réunir tout le monde. Pour la question de la migration et des tendances migration subsaharienne vers la Tunisie, on parle de féminisation dans le sens qu'on voit de plus en plus de femmes et des femmes qui voyagent seules. Et ça, c'est un constat mondial et global pour toutes les migrations. Je pense que depuis plus d'une décennie, on parle de féminisation de la migration et on parle aussi de ce parcours migratoire qui devient parsemé de stéréotypes de genre, de violence, et comme si la femme qui choisit on l'a vu dans, j'ai ramené quelques copies, l'étude, les violences qui migrent avec les femmes, on voit que ça fait partie de leur parcours, que les violences n'ont jamais cessé, c'est parfois le motif de départ. Violence économique ou violence conjugale ou violence ethnique, et par la suite elle continue en Tunisie, et même si il y a certaines femmes qui ont déclaré dans cette étude qu'elles choisissent la Tunisie pour y résider, mais elles finissent par vouloir quitter parce que, et ici je cite entre guillemets une des citations, la Tunisie pour certaines femmes d'origine subsaharienne, c'est une prison à ciel ouvert. Et ça a été dit non pas une seule fois dans cette étude, mais à plusieurs reprises. Merci beaucoup à vous trois. Wafe Tawedi, coordinatrice de projet au Fonds des Nations Unies pour la Population. Il y a le rapport UNFPA qui est là, en libre service. Vous pouvez le consulter. Chérif Arieh est directrice de Terre d'Asile Tunisie. Vous avez un guide aussi qui est là disponible aussi, que vous pouvez découvrir. Et Mahmoud Kaba, chargé de projet régional migration à Euromed Droit. Merci beaucoup tous les trois d'être venus. Merci à vous, public, d'être venus, ceux qui nous regardaient sur Facebook. À très bientôt pour d'autres débats. Vous pouvez découvrir le nouveau magazine de Nawet qui est juste là. Et à très bientôt pour d'autres débats. Merci à tous.